va quoi dire. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. Écoutez, je suis votre voisine. J'ai eu votre contact par la copropriété. Et en fait, je vous appelle à cause de l'odeur assez forte qui vient de votre domicile. Je veux parler bien sûr de l'odeur de marijuana. Ça vous dit quelque chose? Oui? Oui, c'est pour Jérémy? Allô? Oui, enfin bon, le fait est... d'avoir vu de la fumée au niveau de votre palier, hein, sans parler des relents d'herbe. Ce dont je ne suis pas sûre, c'est si la fumée venait de votre porte ou de celle du voisin d'à côté. Est-ce que ça pourrait être le cas? Désolée, belle maman. Désolée, mais chez vous, vous faites ce que vous voulez. Mais en ce qui concerne les espaces communs, franchement, apparemment, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a toujours un nuage de fumée au-dessus de votre palier. Et ça dérange sûrement aussi les autres voisins. Donc si ça vous embête pas trop, ce serait gentil de votre part si vous pouviez fumer sur le balcon ou mettre une serviette sous... Elle a raccroché. Allô? Allô? Oui, bonjour, docteur Martin, à l'appareil. Oh, mais biche. Vous êtes des alcooliques anonymes. Est-ce que vous auriez une petite seconde à me consacrer? Oui, pas de souci. Oh, elle est trop gentille. Et écoutez, je vous appelle tout simplement pour organiser votre rendez-vous avec un psychologue et pour vous assigner un groupe de travail. Quand seriez-vous disponible? Plutôt le matin ou l'après-midi? L'après-midi, je pense que ce sera plus simple. Ok, très bien, je vois. Alors écoutez, généralement, c'est un proche ou un ami. Oh, mes chats, non. Est-ce que vous voyez qu'il y a une petite chatte d'amour de l'alcool ces derniers jours, récemment? Oui, mais pas énormément. Écoutez, nous, on a pourtant reçu. Vous êtes manifestement ivre. Alors, est-ce que vous êtes sûr que vous ne voulez pas de l'aide de notre part pour régler votre problème? Si, de l'aide, j'en veux bien, effectivement. Très bien, c'est vous qui voyez. Mais vous savez que être dans le déni n'est pas la meilleure solution pour s'en sortir, vous voyez pas? Oh non, mon petit biche. Mais je ne suis pas alcoolique, je vous rassure. De toute façon, moi, je ne vous embête pas plus longtemps. Soit nous avons fait une erreur sur votre numéro, ou soit c'est un ami qui vous a fait une blague. Mon père. On va voir. Allô? Ma mère? Oui, allô? Allô, votre chien me pose beaucoup de problèmes. Mais... Alors, il aboie vraiment, vraiment beaucoup. Et j'arrive plus à fermer l'œil parce que je travaille la nuit. Ils ont raccroché. Allô? Allô? C'est qui? Oui, bonjour, écoutez. En fait, je viens de voir quelques-uns de vos messages. Oui. Bon, écoutez, moi, je vous appelle directement de son téléphone. J'ai cliqué sur le numéro sur WhatsApp. C'est vous qui me répondez, non? Vous allez pas me faire avaler que c'est pas vous? Aujourd'hui? Désolée, madame. Vous savez, moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que j'utilisais des mots comme ma belle ou princesse. Vous comprenez que ça puisse me déranger un peu, quand même? Ah, c'est pas moi, je connais pas. Excusez-moi, moi non. Ouais. Écoutez, moi, je vous propose de faire un deal. Si vous la gardez, je suis prêt à vous payer vos classes de pilates pour toute l'année. Ça vous dit non? C'est un bon deal, non? Je vous connais pas. Et c'est là quand je téléphone, alors? Excusez-moi. Je suis désolée, madame inconnue. Oui, allô? Ouais, bonjour, allô, c'est le livreur de pizza. Écoutez, je suis devant l'entrée là, mais y a personne qui m'ouvre. Vous êtes à quel numéro exactement? En fait, j'ai sonné plusieurs fois déjà au numéro 5. Je pense que vous vous êtes trompé de quoi? Numéro 2. Vous n'avez rien commandé? Vous n'avez pas commandé de pizza, c'est ça? Non, je n'ai rien commandé du tout. Bon, écoutez, j'ai appelé la centrale, ils m'ont confirmé que c'est ce numéro qui a commandé une pizza pepperoni. Alors, vous m'expliquez comment c'est possible? Je n'en sais rien, parce que moi j'étais au travail, donc du coup, je suis toujours au travail, en fait. Écoutez, donc, c'est 25 euros la pizza. Si vous payez pas, c'est moi qui vais devoir payer. Alors, on fait comment? Comment on s'arrange? Mais je n'en sais rien du tout, parce que franchement, c'est vraiment pas moi qui l'ai commandé. Ouais, ok, c'est bon, c'est moi qui vais la payer. Mais quel radin vous êtes? Pardon? Vous êtes tête de mule dans ce pays. C'est bien belge, ça. Non, mais je vous jure que c'est pas moi, hein. Parce que je suis au travail, vous pouvez même vérifier, je suis au... Donc, j'ai rien commandé du tout, j'ai bien mangé même, donc... Ça a raccroché.